دخل الجنة. وصار السحر فيني
سامو ما ينجح حد من سامو سايل الجميع الحروب ناديت وعز في كلامه راح وخلاني بلك عقلي وحز روحي ده بالعيان بوهن اسم ديواني وكواني كيام غلفان عهدنا عهد الوفاء كل عن الرقباني بهم نار الشوق تطفى تدويك المنارة وعوالم دايرين دارة كل وحدة خدها ينور لا حاسد لا لقي بلا من هو براني غير العذرات والوطار وصوت الحسان أنا طبعي زهواني عشقي الأهل الزين مقفى Alors ils l'ont conseillé de m'inscrire aux Beaux-Arts. Ils m'ont inscrit en architecture et moi, c'est moi-même qui a bifurqué vers la peinture. Sans le dire à mes parents. Une fois mon père est venu il se renseigner à l'école de Beaux-Arts, il lui dit « travaille très bien ». Oui, mais j'étais pas en archi, mais en peinture. Et alors... Il a dit, tu veux ça? J'ai dit oui. Il m'a fait. Il n'a rien dit. Il m'a laissé. C'est Mohamed Rassim qui était mon maître. C'était le seul Algérien qu'il y avait.
mais c'était des gens de droite, je dirais racistes, anti-arabes, anti-juifs, on dit tout ce que tu veux, et c'était comme ça, c'était le clan. Et je le longeais la rue de la Lyre, place du gouvernement, et l'école des Beaux-Arts était dans le quartier de la Marine. Alors, une vieille bâtisse. Alors, mon chemin, c'était ça, tous les jours. Et tous les jours, je voyais des enfants couchés par terre sur des cartons, sans couverture, sans rien du tout. Et ça me scandalisait, ça me révoltait. Le Christ hurlant sous vos bombes. Jésus-Christ qui hurlait sous les bombardements qu'il y avait en Vietnam à l'époque et autres pays. J'ai fait comme s'il revenait sur terre et qu'il voyait toutes les saloperies qu'ils ont fait. Ils étaient scandalisés. Il avait suivi les cours de Mohamed Rassé, mais puis par la suite, il y a eu aussi l'atelier de peinture de Farnèse. Et sur cet atelier, moi j'allais, même quand j'avais quitté les Beaux-Arts, j'allais là-bas pour dessiner un peu, et je le revoyais. Alors il y avait aussi, loin, il y avait Siachem, il y avait toute l'équipe, on était 4 ou 5, mais moi j'étais en quelque sorte l'aîné. Il y avait une bourse qui était donnée par le gouvernement général pour partir en France. Et ils me l'ont donné, jamais donné. J'étais premier toute l'année, à la fin de l'année, j'étais un autre. Qui partait à ma place. Jamais un arabe, jamais. Jamais. Tous mes copains sont partis. Pas un arabe. Le groupe 51, c'était une tentative pour créer un groupe artistico-littéraire. Il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs et il y avait des poètes. Comme Cantabiatine était célèbre, on l'a invité pour avoir nous aussi notre ténor. C'est là qu'on a rencontré Jean Sénac, on a rencontré Sauberger Leroux, on a rencontré Jean Simian, on a rencontré Albert Camus et j'en passe. oui. Le rêve, c'était de monter à Paris, parce que Paris, c'était la liberté, c'était l'indépendance. Paris, c'était un tas de mythes. Et on avait comme chanson, elle roule, elle roule dans Paris. Elle chante, elle chante l'été fleuri. عشقت في الزين يا إله وقلت تهني نار على نار.
دخل الجنة
يصير على حال.